Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui me fait le petit là maintenant? Ah là là, je vous jure, il est d'ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi. Il est toujours. J'ai jamais compris pourquoi. Il y a des petits problèmes au moment de la transition entre l'introduction et l'écran principal. Hello Stargate, Totoche, Evrette, Canav, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, la 0.9 est arrivée. Voyez, hop, mon écran est là. Hein. Je l'ai tout juste lancé. Je n'ai rien fait de plus. Je vais récupérer ma récompense. Je la veux. Je veux mes pavillons, je veux mes camouflages. Voilà. Ah, et voilà. Et donc, du coup, évidemment, il y a tout un tas de navires hein, qui m'ont été retirés puisque désormais tout est arrivé. Entre-temps, évidemment, j'ai récupéré le Brindisi. Mais, parce que mine de rien, on va quand même voir les interactions intéressantes. Voilà. Voici donc la 0.9.0 avec tout un tas de choses. Puisque donc les croiseurs lourds anglais arrivent progressivement. Et dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, ils sont en accès anticipé. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, 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 hop. Voilà. Et on va pouvoir les échanger contre les ressources des jetons. On va revenir là-dessus dans un instant. On peut aller jusqu'au tier 8, l'Albemail. Alors, de tous les tests que moi j'avais fait, Lawkins était décevant. Bon, après, c'est un tier 5, faut pas trop. Voilà. Le Devonshire était sympa. Le Surrey également. Donc, vraiment, ça vaut le. Oula, oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des petits lags au niveau de leur site web, là. Ensuite, donc il va y avoir des directives, donc on va regarder ça bien évidemment, les fameux jetons pour les débloquer, et on peut aussi récupérer des lots aléatoires. D'accord. En échange de jetons, donc on peut récupérer des pavillons, oui. Soit en échange de jetons, soit en échange de doublons. Ouais. Ah, parce qu'avec les doublons, on peut avoir des petites choses en plus. Du charbon, tout un tas de crédits. Le tier 8, oui, pardon, l'Albemail, bien. Franchement, bien. Donc moi vraiment alors le Devonshire sympa, le Surrey ouais vraiment moi j'adore même en tier enfin, en bâtière on peut se débrouiller et j'ai pu faire des choses très très sympas avec l'Albemail, moi j'aime beaucoup aussi vraiment c'est comment le définir? Vous prenez un char de martel en fait mais qui va tirer moins loin, moins vite mais qui va mettre plus souvent des incendies. Donc non, vraiment, l'Albemail, j'ai toujours trouvé sympa. Voilà. Ensuite, alors il y a les batailles de clans. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon, voilà, c'est pas mon truc hein, pour le moment. Ce sera en tier 10, parce que j'ai pas vraiment le temps. Amélioration unique. Oui, effectivement, il y a des modifications qui sont en test, etc. Très bien. Et du coup, ah oui, alors bonne nouvelle aussi pour tous ceux, pour tous les anciens, hein, bien évidemment. Ça, c'est davantage pour les anciens. Peut-être que d'ailleurs, il y aura un petit retour, on ne sait jamais. Donc tous les navires ARP, donc, il y en a quand même un petit paquet, ainsi que les navires Southern Dragon et Eastern Dragon deviennent des navires premium. Donc là, en gros, c'est de la machine à. C'est de la machine évidemment à crédit. Hein. Même si pour la plupart, évidemment, ce sont les tiers 5, hein, les Haruna, Ie, Kirishima. Donc voilà. Salut Carcarias, comment vas-tu? Donc ensuite, des modifications d'équilibrage. Ok. Et effectivement, plus tard, vous pourrez récupérer les Wukong, Baijie et Sili Wangi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver dans peu de temps. Voilà. Alors, si on va voir justement voir ces directives. Ah oui, non, c'est clair, évidemment, on va pas gagner des fortunes avec. Hello Papy Freeze. On va. Mais bon, là où auparavant, en fait, c'était simplement des navires identiques. C'était juste le camo qui était différent, mais n'apportait rien. Salut, empoisonneur. Voilà. Bon, maintenant, sur le navire premium, on peut gagner un petit peu plus. Alors, voyons voir les directives. Club fermé des vainqueurs. Pour gagner 80 jetons. Ok. Ouais, je vais revenir sur les modifs techniques, il n'y a pas de souci. Je vais juste lire les directives et je reviens sur tout ça après Bratislava. Donc, ok. Renforcer les bases. 10 000 XP de base pour récupérer un camo. Ouais. 500 000 de dégâts, un camo. Ok, des crédits, de l'XP libre. Incendie aux citadelles, d'accord. Les torpilles pour l'anima. Ok, bon là c'est du classique. En jouant au Royaume-Uni, ok. Bon là, rien de particulièrement intéressant. Toujours des jetons. Oh, ça c'est un beau camo ça.
Attention, Bratisla, attention, ça n'est pas pour obtenir un tier 10, hein, c'est pour gagner des jetons. Et ces jetons te permettront de débloquer des croiseurs anglais. Donc il y avait 80, 80. Donc là, ouais, c'est bon, il n'y a pas. Ouais, ils sont abordables, après on gagne pas non plus grand-chose. Ah, il y a quand même les camos guerriers lunaires, ça, ils sont quand même sympas. Hein. Ouais. Voilà, encore à 100, donc on en est déjà à 260. Et 360 jetons maxi. Ok. Alors, armurerie. Voyons voir combien vont coûter les navires. Oui, ok. Alors, comment ça fonctionne? Marine britannique. C'est ça? Avec les ressources. Non, c'est pas ça. Donc, ça va être dans marine britannique. L'eau impériale. D'accord, ça, je crois qu'il faut les doublons pour ça. Alors, ouvert. Voilà, il faut 20 jetons. Voilà, ok. Donc 20 jetons, très bien. De manière aléatoire, oui. Donc on peut gagner. Qu'est-ce qu'un lot? Donc voilà, ok. Une des 11 variantes apparaît aléatoirement. Et on peut recevoir le même lot aléatoire plusieurs fois. Oui, voilà, ok. En échange de 20 jetons. Honnêtement, en échange de 20 jetons, on peut potentiellement recevoir un T8 comme ça. Ok, hein. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc en faisant la première directive, on va en avoir 4. Oui, pourquoi pas. Et donc le lot impérial, c'est évidemment en échange de doublons pour récupérer un petit peu plus. Ok, alors, donc du coup, pour toi, Bratislava, je vais revenir sur les améliorations techniques. Toc. Voilà. Hop. Je suis sûr qu'en plus dans les missions, il doit y avoir des... Alors, autre modification d'équilibrage du jeu. Alors, Lindenburg, amélioration du temps de rechargement. Ça, c'est pour... Oui, les lots sont en quantité limitée, donc en gros, en farmant pas mal, tu peux te faire des pavillons, c'est sympa. Salut Balachou. Voilà, donc je sais pas... Ça va. Donc, amélioration du temps de rechargement. Effectivement, parce que là, il était complètement hors méta au niveau des clans battle, donc en gros, c'est pour le faire revenir. Bratislava. Le Montana qui voit son pool HP de réparer plus qui est augmenté. Ouais. Soit, ok. il était déjà bon comme ça. Très bien. Salut ma casque. Ah oui, ça c'est magnifique ça. Effectivement, oui. Le Kremlin qui voit son entière nerfé. Voilà. Le Bliska, donc qui est buffé au niveau de ses tourelles et rotation de lance-torpille, très bien. Le Destroyer Fusilier rang 3 est nerfé. Soit, pourquoi pas. Le Mogador qui est nerfé, ça c'est Sniff. Sniff, sniff, sniff. Oh, c'est simple, hein, Matkas, tu vas sur le portail du jeu. Hop, alors attends, tac, je fais petit contrôle-C, contrôle-V, voilà le lien. Donc là, c'est triste, vraiment triste. Le Destroyer Kléber qui, pareil, est bien nerfé. 1 km de nerf de portée de détectabilité. Ça, c'est chaud. Très, très chaud quand même. Ça, c'est très, très dur. Ça, c'est. Pour le dire, c'est chiant. Ensuite, au niveau du Henri IV. Alors, temps requis pour que le moteur atteigne sa puissance maximale augmentée. C'est-à-dire qu'il va accélérer moins vite. Voilà. Et les caractéristiques d'accélération quand le consommable bouge. Alors ça par contre, ça... Pas... Ouais, ça accélérera. Ok, donc en gros, on pourra moins jouer sur son accélération et décélération. Ok, d'accord. Les améliorations visuelles, pas de problème. Ajout et changement. Camouflage standard pour les volontaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là. Ah oui, non, mais c'est clair, hein, Mathias, ça va tout changer sur l'Henri IV. On ne peut vraiment plus jouer de la même manière qu'auparavant, ça c'est clair. Ah, et du coup, on récupérera les destroyers pan-européens donc dans les jours à venir. Ok, voilà, rien de l'amélioration visuelle et technique.
Ouais, c'est vraiment du purement visuel, ok, pour l'amélioration, les cartes qui ont été modifiées au niveau de l'éclairage, ok, les performances au port, l'agencement du blindage et une manière un peu plus visible, ok. Voilà, ouais, rien de bien spectaculaire. Autre changement, au niveau de bug. Oui, d'accord. Ah oui, amélioration du mode observateur, création du bug. Modification mineure sur le Nicolas et Hermès au niveau de l'affichage du blindage. Bouclier de canon. Bug de caméra. Ouais, bon, rien de particulier. Oui, voilà, Stargate, c'est ça. Voilà. Donc au final, ouais, ça, voilà. Au niveau des changements, il n'y a pas grand. Enfin, à part le buff du Bliska, le buff de Lindenburg, du Montana, le micro-nerf du Kremlin. Et l'énorme nerf du Mogador et du Kléber, voilà, il n'y a pas non plus. C'est ça exactement, Carcarias. Le Kléber, c'est un croiseur, c'est ça. Et le H4, ouais, il devient beaucoup moins intéressant. Ouais. Voilà. Ah bah, je pense que le but est justement de faire en sorte de revoir des Hindenburg en clan battle et potentiellement évidemment en compète. Et de moins voir de Henri IV, hein, voilà, parce que là, clairement, il y avait une méta au niveau des clans battle qui s'était complètement figée. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. C'est vraiment revoir la méta du jeu compétitif. Clairement. Voilà. C'est clair que d'Hindenburg, on n'en voyait quasiment plus, hein, y compris même en FFA. Voilà. Ah, après, voilà, effectivement, Sarget, l'Hindenburg est très lent. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Ah. Everett, on ne sait absolument pas ce qui se passera. Regarde, au final, il y a deux branches de destroyers russes soviétiques, deux branches de destroyers japonais. Il est tout à fait possible qu'il y aurait une autre branche de destroyers français qui finira. Bref, on n'en sait rien. Voilà. Voilà tout ce que l'on peut dire. Alors, du coup. Qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire? Parce que. Ah bah alors, ah oui, j'en profite. Bon, regardons les missions. Parce qu'évidemment, on va avoir des missions pour obtenir. Défi quotidien. Est-ce qu'on peut obtenir? Non. Non. Oh. Alors peut-être dans les objectifs personnels. On n'a aucune mission. Sérieusement? Oh, ça c'est toujours les fameuses missions pour les T10. Ouais, non, on n'a aucune mission. Il faut uniquement effectivement y aller dans les directives. Pour récupérer les jetons. Ok. Bon, et eh ben on va essayer de faire de la directive. Hein. Carcarias. Alors, 10 000 XP de base, ok. 500 000 de dégâts au navire. 950 000 crédits. Très bien. Il y a 5. Okay. 60 000 XP, ok. Des incendies, de la torpille. 200 000 de crédits sur les UK. Ok. Ah, voilà, il faut être en Albemail. Voilà, en fait, ouais, d'accord. Donc, les directives UK ne peuvent être faites qu'avec les navires. Ok. D'accord, ok. En une bataille, 1700 XP de base. C'est chaud. C'est pas impossible, mais c'est chaud. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il va falloir qu'on parte davantage. Peut-être même. Ouais, parce que même, je vais pas forcément jouer destroyer. Mais voilà. Partir sur ces navires-là. Donc en gros partir sur de la citadelle, incendie, donc cuirassé et croiseurs ayant de la HE, donc je ne vais pas passer sur le Brig d'ici pour essayer de farmer un petit peu ces directives. Voilà, on y va. Ah oui, non mais elles sont simples, hein, c'est évident. Ah, les récompenses du Panthéon. Alors, ben pour le moment, rien. On n'a rien. Voilà, rien n'est affiché. Voilà. C'est vrai, ouais, Char Nord pour incendie et torpille. Ouais. Et accessoirement citadelle. C'est vrai. En plus, ouais, vous avez raison, je vais partir en Char Nord. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. Mais alors. À droite? J'ai pas vu. Ah, règle. Non. Non, non, il n'y a rien. N'y a rien du tout. Si, à droite. Non, non,
Il n'y a absolument rien. Là, je... Ah bah oui, tiens, bien sûr, Stargate, évidemment. Hop, non, du coup, pas de T9. Je... Ah! Oh là là, non mais... Voilà. Alors, récompense garantie quand on rentre dans le Panthéon. Camo guerrier lunaire, je valide. Des types 59, je valide. Ciel de printemps, je valide. Lanterne asiatique, je valide. Mosaïque, je valide. Et si vous farmez comme des malades, la mémoire, le médaille commémorative. Ouais. Bah, attention! Balachou, ce sont des camos qui sont quand même hyper rentables. Ils vont pas t'en distribuer comme ça. Mais attention, ce qu'il faut voir, c'est que tu auras vraisemblablement, Balachou, vu qu'on arrivera bientôt au niveau du nouvel an chinois, justement, on aura sûrement des missions pour gagner quelques camos comme ça également. Voilà. Enfin, ce genre de camos, ils sont quasi impossibles à avoir. Le seul fait qu'en avoir 3-4, c'est génial, quoi. Donc, tu sais, regarde, moi. C'est bien simple, je vais te montrer combien j'en ai. Tu sais quoi, je vais aussi aller sur Discord quand même pour accueillir notre ami Stargate. Hein? Alors, je vais sur le stream Woz. Alors, là, voilà, comme ça, Stargate, tu pourras me rejoindre. Hello! Voilà. Hello. Comment on va? Bien et toi? Mais très bien, très bien. Voilà. Donc, il est super camo. Voilà. Hop, donc, voilà, les mosaïques. Lanterne asiatique, j'en ai pas, et voilà, je les collectionne depuis le début. Vraiment. Voilà. J'en ai pas une tonne. Donc je les garde uniquement pour les batailles de clans, les trucs où, voilà, où je peux récupérer énormément de trucs. Ou quand il y a des plus de 100% sur les. Voilà, j'ai rien. Hein. C'est normal. C'est super difficile à avoir. Et j'essaye de les farmer depuis le début. Voilà. Alors, empoisonneur, on n'en sait absolument rien. Il y aura peut-être une petite surprise. Là, on est quand même dans la phase 1. Peut-être que dans la phase 2. Parce que mine de rien, souvenez-vous, on a eu énormément de premium en test. On a eu le. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le London, on a eu le Cheshire, et on en a eu encore un autre en T8. Non, non, le T8 c'est le Cheshire, et je crois qu'on en a eu encore Cheshire, et on en a eu encore un autre. Donc, voilà. J'ai une scène en plus sur mon Ouais. stream. Oui, t'as un écran noir. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il va falloir que je mette mon. Ah, attends. Est-ce que c'est ça? Attends, bougez pas. Tac, bougez pas, hop, je reviens. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, attendez. Je sais. Alors attendez, il va falloir que je change. Bougez pas. Tac, tac, voilà. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ce. Ou alors c'est Lutz, parce que ça correspond plus ou moins à l'emplacement de Lutz qui bug. Ouais, je crois que c'est Lutz qui bug. T'as Lutz qui te dit non. Mince. Ou alors attendez, vous savez quoi, je vais faire disparaître ça. Je change ça. Je change ça. Et je remets ça en route. Bon, non. Ah! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut pas disparaître. Non, pas... alors que ça c'est quoi? Ah c'est ça. Attendez. Voilà, ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que c'était. Mais voilà. Là non, c'est... Non, en fait je pense que c'est mon OBS qui de temps en temps bug un peu. Voilà, quand j'essaie... Voilà. Enfin bon. Ouais, je pense qu'on va plutôt partir sur les navires un peu spamacheux. Donc en gros du... Enfin, pas... Non, pas... Non, non, non. Pas forcément spamacheux, parce qu'on peut faire de la citadelle avec. Donc voilà, on va partir tranquillou. Ouais, je crois que c'est effectivement quand j'ai switché sur Discord, mais ça n'avait rien à voir avec une fenêtre Discord. Donc j'ai pas compris. C'est ça, l'ordinateur va s'autodétruire. Voilà. Allez, du coup, on va y aller tranquille. Donc le Brindisi est out, hein, bien évidemment. Yo Tito, comment va? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Donc là, je n'ai aucun navire de test, j'ai rien du tout, hein, pour le moment. On les recevra vraisemblablement à partir de lundi. Parce que maintenant, il faut quand même qu'on avance. On va essayer de farmer un peu les directives.
Qu'est-ce que l'on pourrait prendre? Truc sympa. On va pas forcément commencer en hautière. On va partir en T7. Ah bah oui, si, si, si. Bah oui, si, Scharnhorst. Ah, j'avais dit que j'allais le prendre. Donc, tac. Voilà, on va faire un peu de Scharnhorst et Gneisenau. C'est de la bonne idée, ça. Voilà. Alors, attendez. Le Scharnhorst. Oh, mon Dieu, j'ai pas attribué mes points commandants dessus. Oh là là, la honte. La honte. Oui, je sais, il n'aime pas, effectivement, les tiers impairs. Voilà, hop, tac, est-ce que j'ai mis les bons papas, les bons vivis, les bons pavillons? Parce que je crois qu'il y a l'XP normal à faire. Hein. Attendez, je revois les directives. XP de base, des dégâts, des crédits, ouais, voilà. Donc on va y aller sur les crédits. Donc là, XP libre, ça compte pas. On peut faire XP par bataille. On enlève XP commandant. Il n'y a pas un truc qui rajoute XP bataille, crédit par bataille. Voilà, ça c'est pas mal. T'as encore les Voilà. camouflages tout blancs, tu sais, les camouflages de l'anniversaire, c'est génial. Ouais, je vais regarder ça au niveau des camos. On va essayer d'optimiser tout ça. Celui-là. Pour le service distingué, ouais. Hop là! Voilà. L'autre c'était le camo givre, le camo premium spécial. Voilà. Bah écoute Tito, on va voir. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Voilà. Oh, en fait, je vérifie que je suis bien en élément premium hein, quand même. Oui. Et oui, voilà. Bon allez, on va tout de suite faire un snipe. Allez, un petit snipe les modos. Ah, si, moi j'ai quelques T7. On n'a pas de modo. Oh, ça me paraît bizarre. Si, voilà, merci Gorgor. Il me semblait bien que je t'avais vu, Gorgor. J'allais le taper en plus. Toc. Sacré Tito. Personne. Non, on est les seuls T7. Il y a un peu de T6 et il y en a qui ont déjà des croiseurs anglais. Bon bah vous les sentez ceux qui ont déjà claqué des doublons. Ah, il y en a même un qui a déjà aussi l'album mail. Non, c'est bien, bravo. Il y a déjà deux Albert, mais... Ouais. Ouais, album mail. Donc il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 navires anglais. Joli. C'est pas bien, Tito. Moi, je vais partir sur C. Ouais. Entre B et C. Voilà. Mais là, alors, là, les Devonshire vont avoir du mal s'ils se placent mal. Et là, en fait, les croiseurs anglais vont exceller. Au niveau des îles au nord de A et entre B et C, c'est là où ils vont exceller. Parce qu'en fait, comme c'est des navires à moyenne portée, ouais, c'est des bundles random en plus. Donc, soit ils ont eu du bol et ils sont tombés rapidement dessus, soit ils ont claqué vraiment une quantité de doublons phénoménale. Non, mais Tito, moi ça aussi, ça m'est arrivé, c'était avec un. C'était avec je sais plus quel le fuseau qui est en camo asiatique. Bliska, va falloir s'occuper du Bliska. Effectivement, les Bliska vont être de nouveau de sortie. Oh zut, deux obus qui touchent. Pas d'incendie. Oh
Oh, le massa qui me tire dessus. Et le fuseau qui me tire dessus. Et le North Carolina qui me tire dessus aussi à la hache. Mais ils veulent tous me tamponner la poupe. C'est honteux. Ouais, ça c'est 1000 doublons. Bon, allez, on va essayer. Après, peut-être que dans les 4 conteneurs, il y a des chanceux qui ont eu. Ah oui, non mais voilà. Ah, j'ai pas mis assez de lead. Oui, un feu. Bien. Allez, plus que 11. Il a un star repa. Bien. Parfait. On va passer à la paix quand même. Ah, désolé Tito, mais généralement, moi j'ai Deuxième Gishu qu'on feu. appelle. Bien. On est bien, on est bien. J'ai l'aura du joueur Et il a aussi Gishu. un star repa. Mais qu'est-ce T'as pas qu'ils ont à un compris? star repa? Tu sais qu'il y a un star repa? Le fuseau et le Massachusetts avaient aussi un star repa. Va être compliqué. Allez. Vladivostok, ça va être un peu coton. Là, ça passera pas. Super Maspot. J'aime pas le concept, non ça va, il me voit pas. Je vais repasser à la HE. Et je vais me soigner. Le son de Stargate est un poil bas. Ah! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Bon, c'est pas possible. Après, vous me direz, je me suis mal positionné. Alors, bougez pas. Je vais augmenter le son de Stargate. Pourtant, il est bien. Là. Voilà, il est. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Ok, tu t'arrêtes? Ah bah écoute, arrête-toi, je suis à la HU. Voilà, plus de Bliska. Et pas de feu sur le Vladi. Non mais non, mais non, non, mais Vladi, mais pourquoi? Pourquoi moi? Surtout, lui, il fait marche arrière. Ben oui, je sais. Mais il s'éloigne de moi. Au début, mais là, il continue. C'est bon, ça y est, tu me veux plus? Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Ah si. Non, c'est bon. Les gens, alors, là, Lucky Skill, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Yo, wadou. Petit feu, voilà, petit feu. Oui, je sais, je n'optimise absolument pas le potentiel. Mais il a un star et pas. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'ils ont? 3 sur 3 cuirassés sur lesquels j'ai tiré. Ils ont tous un star et pas. Allez, Vladi, tire-moi dessus. Et tiens, garde-le maintenant ton feu pendant ta minute. Attendez, il y a un bug là. Il n'y a que moi qui lui ai tiré dessus. Il y a deux feux qui apparaissent. Alors qu'en fait, j'en ai eu qu'un d'après les Non. rubans. Hop, le Galent. C'est peut-être, tu sais, dû au. Ah, au fait qu'il a peut-être, tu sais, le double feu au milieu. Faut quand même que je fasse attention. Allez, Vladi, j'essaie de t'en mettre encore un autre. Stargate, t'es mal barre là quand même. Ah, zut, il s'est arrêté. Ouh, joli. Ça va, t'as pas trop mal? Non. Je vais essayer d'y aller sur le hyper. Voilà, petit feu aussi sur le hyper. Donc comme il a dû réparer ton inondation. Ouais, le Vladi a aussi réparé du coup son feu. Chclonk. Meurs à petit feu. Meurs. Ploc. Voilà. J'ai honte. Ou pas. Oui, je n'hésite pas à tirer à la HE et à faire du spam HE. Et alors? Oh là là, attention, c'est la nuée de torpillés.
qu'on lui a pas dit au Galant que j'avais une hydro. Est-ce que je... Allez, juste pour m'amuser, je vais aller coller un petit feu. Ah non, bah non, mais il s'en va. Non, il a l'air de tourner. Eh ben allez, on va tirer comme ça. Crap. Ah, il reste... Bon, bah, écoute. Ah, ça passe pas. Si, j'ai combien ? Trois obus qui passent. Il y en a un qui met un feu. Déjà, faut qu'il touche. Né. Galant mort. Très bien. Je vais commencer à préparer la paix. Alors, il y a un Nelson et un North Carolina de l'autre côté. Très bien. Je vais préparer ma salve, je tire et je me soigne. Attention au Devonshire qui va essayer de repiquer sur B. Pour le moment, je suis à 40 000, ce qui n'est pas bon du tout. Mais bon, on a du temps. Là, il s'éloigne. Chapaïef. Voilà, maintenant je me soigne. C'est un bug graphique, les obus. Ouh, la belle salle sur le Devonshire. Il y avait un Devonshire. Allez, Vladi. Allez, Vladi, montre-moi tes fesses. Allez, Vladi, montre-moi ton... Non. Non. Non, je peux pas. Elle l'a dit, la prévention des incendies. Oh, certainement, ouais. Du coup, tu envoies deux au milieu. D'accord. Ok. D'accord, ok. Donc, le chapi joue sur sa vitesse. Bien. Ah, Nelson, je vais viser le haut de la ceinture parce que sinon ça rentrera pas direct. Ou alors viser la poupe, la proue, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, 7000, bien. Voilà. En fait, je vais jouer en marche arrière, tiens. Jouons en marche arrière. Chapi. Yo Kirito. D'accord. J'étais pas au courant. 4008, quasiment. Ah bah du coup, voilà, j'ai récupéré tous les points de capture. Eh ben c'est bien. Ben oui, moi je suis juste... Il va pas à fond. Derrière toi. Oui, du coup, oui, tu es derrière moi, oui. Ah, une cita. Donc ça compte avec les feux. On passe à 6. Bip, bip, bip. Chapi. Oui, oui, Chapi. Oui. Bip, bip. Une autre cita. Parfait. Ça fait 7. Voilà, non, c'est bon, on peut encore... ça, voilà, on continue à jouer. On continue. Allez. Nelson, je vais viser la pro. Oh, le Nelson, il tire un lynchun. Encore eût-il fallu qu'il me touchasse. Voilà, en fait, là, voilà, je me mets comme ça pour mieux farmer comme un goré les dégâts. Truic ! Non, c'est pas bien. De quoi, le Nelson ? C'est pas bien. Écoute, hein. Ah, bah, encore une cita. Décidément, le pauvre Chapaïef. Heureusement que c'est un Nelson. Enfin, que c'est un Charnor, ce que j'ai. Hein.
Alors, passons au Vladi. Ouais, Vladi. Voilà. Et de toute façon, ils sont tous les trois sur moi. On est bien. Bon, le North Carolina est systématiquement à la HE. Donc, tout va bien. Je n'ai rien à craindre. Oui, je pense que le Vlad, il va mourir aussi. De toute façon, on est à 986. Hein, donc, la bataille, elle est finie. J'atteins. J'atteins. Si, Balachou, c'est un camo spécial. Voilà. C'est le beau camo blanc, tout blanc, C'est qui fait ça. qu'après t'es tout noir, tout noir. Voilà, donc j'ai pas fait grand-chose. Ah, bon. Bien, bien joué, hein, en tout cas, Stargate. Voilà, donc en jouant en marche arrière, ça marche très bien. Hein. 116 000, c'est pratique. Ah ben, le Nelson qui a fait un tout droit. Bon. Voilà. Ça c'est fait, donc j'avançais déjà sur les directives, c'est très bien. Ah, tu vois, les 1700 points de base, tu les as fait? Ah bah oui, tiens, c'est vrai au fait. C'est celui-là le grand jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je joue? Évidemment, si vous voulez me rejoindre aussi en div, il n'y a pas de souci. Voilà. Salut Red Bulls! Ah, t'es en 360, d'accord. Voilà. Donc la phase avec les crédits, ben, je l'ai quasiment faite aussi. Ben, oui, Balachou, c'est fini. Voilà. Donc avec en gros, voilà, avec un autre navire correct, j'en fais deux autres directs. Voilà. Moi j'ai Ok. failli. Attends, moi j'ai presque fait les frappes à la torpille en une partie. Le nerf du HR, je ne l'ai pas testé encore, on verra peut-être un peu plus tard. Le marathon, c'est pour récupérer, enfin c'est pas un marathon en fait, dans le sens où tu fais des directives pour débloquer des jetons anglais, et avec ces jetons anglais, en fait, tu vas ensuite dans l'armurerie pour échanger pour les échanger, toc. Voilà, en échange de 20 jetons, le lot aléatoire, tu peux débloquer un navire anglais du Tech Tree. Voilà. Hello Max, comment va? Du coup, allez, vous savez qu'on va, allez, on va y aller trop lolo. On y va trop lolo. Le Gneisno. Voilà, puis après on verra, on passera à autre chose. Voilà. La 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 la. Oh, oh, ouais, ça peut être drôle. J'aimerais pouvoir. Parce qu'il faut quand même aussi booster un peu les crédits. Je prends le risque. Et camo, effectivement, on va prendre les services rendus. Voilà. J'ai pas regardé le temps entre les différentes directives. Ah si, 5 jours, dans 5 jours, et à la prochaine. Ouais, c'est Voilà. habituel, généralement. Voilà. Si oui, Après, c'est si. des petites directives, hein. Vous faites en gros 5-6 Oui, batailles et vous voilà. avez Tac, quasiment tout tac. fait, quoi. Exactement. Allez, c'est parti. On y va. Snipe en tier 7. Merci. On est de rien. J'attends juste un peu à cause du Oui, décalage bien son. sûr. Ah oui, il y a vraiment moyen de s'amuser avec le Gneisno, ça c'est clair. Après, faut voir la config de la partie. Toujours pareil. Donc là, si je me débrouille bien, que j'arrive au corps à corps, je peux effectivement balancer pas mal d'incendies avec toutes mes secondaires. Je peux compter également sur une potentielle ou une citadelle ou deux sur un croiseur qui se baladerait. Bâtière. Ah! Ah! T'as piqué. Alors, t'as piqué. Alors, on a Zarnir, parce que c'est un. Je crois que les casques, c'est FR et en tier 7, donc je pense que. On a Gorgor avec nous.
Et alors en face, il y a Catapult Man. C'est qui ces gars, Oh! les étuis? Bah oui, écoute. Il y a Captain Konyam. Un membre du forum FR. Hello! Alors, on y va. Donc, casque. Et Catapult Man. Ouais. Les moteurs de mon jet privé, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien. Ils font toujours des tests pour savoir si les moteurs tournent bien. Voilà. C'est un jet privé de type Airbus A320. Ou éventuellement Embraer. Éventuellement. Alors, ce qui va être compliqué pour moi pour le farm, c'est que je vais essayer aussi. Ah, bah non, attends, j'y ai pas droit. De quoi? Je crois que j'ai pas encore fait assez de batailles avec mon compte alternatif pour avoir droit encore aux directives. Ce qui est gênant. Voilà, j'ai débloqué mon premier tier 6 d'ailleurs avant-hier. Je suis content. Je suis content. Y a quoi comme Il y a un A4 qui fantasme? arrive. Ouais. Iblis. Il y a Ah. Fletcher, Fantasque, AK et Bliska. Il y a quand même du pénible. Alors là, un Akatsuki à 19 km, laisse tomber, je ne toucherai jamais. Hello Pichu! Tiens, je pense à un truc. Va partir dans quel sens? Grand Duke of... Oh non, non, mais non, 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 mais non! Oh, Georgia! Oui, fais attention quand même. Fais attention. Sorry. Je vais essayer d'aller flanquer. Est-ce que tu peux justement te mettre en position devant moi en E2? Parce que je sens qu'il va y avoir un DD qui va être dans le coin. Ah bah voilà. Ah bah bravo. Ah ça se passe mâcheux, Jean-Bart. Hein. Parce que je suis perma spot. Hein, Ouais, j'arrive. donc Bah, le c'est DD il est là. l'Akatsuki qui Hein. doit être de ce côté, ouais. Bah, parce que moi, j'ai pas été spot. Donc ça m'a un Ça y est, je suis plus peu. spot. Je suis repéré. Donc il doit être. Voilà, ben il est là. Il est trop loin pour moi. Ouh, j'ai tout chao. Du coffre-fort, je peux lui coller une petite cita accessoirement. Et le char nord, il est un petit peu trop près là maintenant. Je vais pas pouvoir. Allez, allez mon cognam. Ah bah j'ai touché à aussi. Non mais, enfin bon, voilà. Hein. Donc il y a 6 torpilles qui viennent de passer. Il y a trois torpilles en direction de toi. Fais Fletch attention. Fantasque. C'est le fantasque qui m'a. Oh, bien joué. Effectivement. Je tire pas sur le fantasque, ça sert à rien. On a perdu le Goridzien. Ah, le fantasque ne tire plus. Non, il veut disparaître.
Oui, ou lancer de la torpille à nouveau. Chais, j'ai réussi à toucher un fantasque. La la la. Oui, alors c'est non, j'aimerais quand même faire du dégât, faire des choses et tout, hein, parce que là c'est pas comme ça que je vais pouvoir monter les directives. Ah bah appuie Mogador. Oh, une magnifique dispersion. Ah là, c'est magnifique. Là, on a un jambard qui fait de la marche arrière. Non, qui avance. Très bien. Allez, on va essayer d'avancer. À part tanker les dégâts, je ne fais pas grand-chose. Allez, Cognam. Je t'aime bien. Mais maintenant... Hop, 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 au fantasque. Oh là 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 là. Eh bah oui, je suis mort. Il est resté à plus de 3 km de moi. Le salaud. Ça va y... Oh là là, ça c'est dur, ça c'est dur, ça c'est très Non, très mais le dur. Brindisi, il attendait en fait. Si tu regardes... Ah bah oui, non mais c'est évident. Ah, le fantasque fait partie du clan Tamer. C'est intéressant. Voilà, une cita. C'est bon. Voilà, ça c'est fait. Bah, faut que je reparte me cacher dans les îles. En attendant, évidemment, le fantasque qui va essayer. Ah ouais, donc il me veut en fait le fantasque. Ok, bah écoute, très bien. Écoute, petit fantasque. Par là. Voilà. Oh non, il y a aussi le grave Zeppelin qui me veut. Ouais, je me suis très très mal positionné. Là, je vais pleurer ma mère. Il a raté son propos. Non mais même, tu me connais, tu me connais. Voilà, le fantasque qui m'attend. Hein. Le fantasque m'attend. Clairement, il a à nouveau raté son drop. Des snows qui s'approchent. Oh non, sérieusement, il est endommagé, je peux pas bouger. Purée de sa mère. Je viens de voir un Bégorgor finir à 10 cm de lui, un Atlanta. Il se fait rame. Ouais, je suis vraiment désolé. Non! Non, vite, 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 vite. Et là, faut que j'éteigne le feu. Là, faut que je me barre. Oh, j'ai eu chaud. Oh, que j'ai eu chaud. Ah mais je comprends, en fait, de notre côté, on avait quasiment un peu plus de la moitié de la flotte. Ouais, donc on a fait ce qu'on a pu pour tenir. Ça... Oui, Gnezno, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, montre, montre. Et je m'en vais. Au revoir, Gnezno. T'as le Jean-Marc qui t'a tiré dessus. Ouais. Raté. Et moi, bah j'ai... Oh, non, ça, une peine à zéro, quoi. Non. Ouais, non, mais le Jean-Bart, en fait, il me veut. Ah, puis je crois que le Graf Zeppelin me veut aussi. Non? Non, Non, ça non, va. Non, non, il veut il fait l'autre. le Géorgia. Ah oui. Il attaque le Géorgia. Toi, t'es trop loin. Il y a autre chose d'abord. Va falloir que je passe à l'HE, hein, si j'ai bien compris. Ouais, vu ce qui reste. Je prépare la HE. Alors, il y a quoi qui peut être intéressant? Je vais essayer d'aller abîmer les... Ouais, voilà, là par contre, voilà, là voilà. Allez, vas-y, Zarnir 2, c'est toi. C'est à toi de devenir la cible. Deviens la cible. Oh! Oh, bien joué, implacable. Je Ouais, il pense se ramasse qu'il y a encore. eu Gorgor qui a dû faire mal en même temps, ouais.
Ouais, il a fait 3 torpilles des Gurgor et après l'implacable fini. Bien joué, bien joué. Bah, ils ont plus trop de. Ben, on a tenu. Ouais, c'est ça. Là, on là, a là, tenu ils et. Ils ont pas profité de leur puissance de feu. Ouais. C'est dommage. J'ai tanké comme un gros goré quand même. Enfin, non, pas comme un gros goré. Non, sérieux, arrêtez de venir m'embêter. Hein. Ah ben j'ai raté. Le problème c'est que là face à un jambard je peux pas tenir quoi. Là voilà, là évidemment il va attendre. Non il a pas tiré sur moi, oh la chance. Et top, pop, 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 pop. Dis donc le graphe. Hein. Oh là là, il a complètement raté son drop. J'ai un bol. Ah, c'était tout. Ah, d'accord, t'étais aussi un viewer. Eh bah ben, tiens, hop. Voilà, je ne savais pas. Voilà. Eh ben écoute, tu as ton petit compliment, synthé. Moi, j'ai tellement ramassé que je peux pas faire grand-chose. Si, allez, on va tenter un petit coup sur le duc. Et je me resoigne. Et je me resoigne, et je me resoigne, et nous nous, nous soignons. De peine. Ouais, Konya. Oui, Konya. Tu es là. Mais je sais que t'es là, hein. Tu vas devoir faire du H4. King George et Aida dans le même endroit. Oui. Mais c'est quoi ce graphe hein? Mais oui, je comprends pas. Le King George était beaucoup plus dans Écoute. Son axe. Il a 400 PV le jambard. Sérieux? Mais c'est mais ah bah moi tant mieux hein. Moi je suis pas contre hein. Mon dieu, 3200 PV. Oh là là, j'arrive pas à faire de dégâts. Je fais plein de peine à zéro, quoi. Allez, va-t'en. Va-t'en, le Charnorst. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, Cognam, j'arriverai pas à le choper. Ah ouais, non, il s'est clairement pas lancé les torpilles. Bah, c'était un grave zeppelin black. Ça veut rien dire. Il a pu le gagner dans un. Justement. C'est pour ça, je pense qu'il a du mal à lancer. Finalement, quand t'as un CV avec un black derrière. J'ai jamais pu aller au corps à corps. C'est vraiment dommage. On a un magnifique hood en bas qui a fait tout le tour. C'est mignon. C'est bien, le zeppelin part sur l'autre côté, c'est très bien. Bah, il cherche le hood maintenant, vu qu'il est ouais. Tout seul. Bah. Allez, voilà, Georges, c'est bien. Vas-y, mon Georges.
Là, c'est extrêmement risqué, hein, ce que je fais. Parce que je pense que le char Norst m'attend. Ou pas. Non, il m'attend pas. Ah, bah écoute. Allez, un petit coup dans la proue. Allez, c'est cadeau. 8000. C'est mieux que rien. Il va tourner. On est bien. Vas-y, tourne, tourne, tourne dans mes torpilles. Bon, est-ce que moi aussi je peux tirer avec mes secondaires là? Tiens! Pourquoi je me dis pas que j'ai plus du tout. Ah si, voilà, si, si, j'ai quand même. J'ai fait un coup à la secondaire. Ah, je suis content. T'as le duc sur ta droite. Ouais. Mais ça Lui, il a va. les canons tournés. Je sais pas où. Ben, je suis en train de regarder, mais pour l'instant, il vise personne. Bah non, ce qu'il voit rien, en fait. Voilà, mais il a les canons quand même du côté droit, hein. Donc, potentiellement Bah, sur toi. puisque on est en train de caper, je me doute bien que. Allez, si je pouvais faire un truc sympa. Allez, 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 poum! La petite cita qui va bien? Non! Bref, c'est pas grave. Hello, Celticos. Sur le graphe, petite info, le magazine Lost a fait un gros dossier sur le graphe. Ah, d'accord. Voilà, j'ai quand même fait Dreadnought. Bien joué, Bigorgor. Bien joué. Je veux pas dire, mais c'est quand même les bâtières qui ont encore fait plus, hein. Voilà. Le Georgia qui est. Ouais, bon, ok, soit. Hop, allez, plus de ressources. Voilà. Hop. Après, on pouvait difficilement la perdre vu qu'on avait notre Georges V qui était en assez bonne santé en fait. Donc ça allait. Du coup, qu'est-ce que vous voulez que je joue? Tu dois faire un H4. Ah bon, on m'a demandé un. Ouais, le guinde. J'ai pas tant. Je te crois, hein, il n'y a pas de souci. Allez, on va tenter. On va partir en T10. Pardon. Voilà. Alors moi je suis pas en module légendaire. Je pourrais. Ah. Quelle est la différence? Ouais, tiens, je vais essayer. Voilà. Non, 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 Pichou. Il vient juste d'être annoncé. Ça vient juste d'être annoncé. Donc voilà. On a appris ça en fait en même temps que vous. Pour les petits feux, ça j'en ai rien à faire, ça j'en ai Le rien à faire. super Yamato. Il n'y aura jamais de canon supérieur à Yamato. Si, Hein? si. Pan. Aïe. Bah alors attention, mesdames et messieurs, vous allez avoir plein d'overmatch. Hein? C'est un peu ça, ouais. Il est fait pour détruire les cuirassés adverses. Ah bah tu m'étonnes, John. Voilà, c'est au niveau de l'accélération et décélération. Enfin, voilà, c'est plus du tout la même chose. Alors, on va y aller. Pareil, XP crédit. Parce que je crois que. Bon, bah voilà. Hein, j'ai un Inden qui tire toutes les 8,6 secondes. Voilà. C'est beau, hein? Tu veux jouer quoi? Oh bah Inden, mais t'es sûr pas des moines? Non, non, Inden. Je suis bien en premium partout. Voilà. Allez, on va tenter le snipe en tier 10. Pour continuer à accumuler tous les crédits, les machins, les trucs, les bidules. Et primé, personne ne veut me rejoindre pour le moment en plus. Oh, Là, c'est ennuyant. terrible. Bah ouais, sniff. Merci. Tout, tout, tout.
Voilà. Et ouais, bah ouais, Tito, c'est un peu ça le souci, ouais. Ah bah écoute, tu m'enverras un message, pas de soucis. Ou alors si jamais on est dans la même partie, on t'invite. Salut Théo! On verra bien, on verra bien encore. Il y a Nono le chat. C'est mignon, il y a Nono le chat. Non, il n'y a personne. Deux destroyers. Il y a un Puerto. Il y a un Smolensk. Un Smolensk, nous on en a deux. Donc, en fait, il y a un seul radar et c'est eux qui l'ont, c'est le Puerto. C'est ça. Qui ne servira pas fondamentalement à grand chose du fait de la détectabilité. Allez, c'est parti. Alors, Y. Boost des moteurs activés. Effectivement, c'est plus lent. Salut Chaplou, salut Nicklin. Et Bah en effectivement, fait, avoir un temps de rechargement à 10 secondes sur le R4, avec le, effectivement, c'est beau. maintenant, si tu regardes l'accélération que tu as, c'est la même que tu avais, ils disent Oui, pré-nerf. c'est ça. Avec le Enfin, boost, c'est en pré-buff. fait la même, mais sans Ouais. gros. Paye ta logique. Écoute. Attention, je passe devant. Ben oui. À plus. À plus. Bye bye. De toute façon, moi, voilà, je sais où je vais, donc il n'y a pas de souci. Oui, non, mais je me doute, hein, Tito. Sur le Henri, c'est gros nerf sur accélération, décélération. Ils Voilà. disent que un croiseur qui esquive trop bien, bah c'est pas bien. Mais ils se disent pas qu'un croiseur qui a pas de citadelle, c'est pas bien. C'est ça. Je ne vois pas du tout de quel tu parles. Mais Ah, alors, pas pas du tout! Allons, Gorgor. Gor. Un croiseur particulièrement pénible qui n'a pas de citadelle. Et que fait notre Shima? Regardez pense sur qu'il de a. l'autre côté, là. Il, voilà. Je pense qu'il a pas envie de foncer, peut-être. Je sais pas. Il tu sais, à force, il y en a qui ont pris des réflexes de constamment des parties avec CV. Donc, ils disent non, on tempère. Bah oui, mais surtout que, enfin, je veux dire, voilà, quand le Shima. Tu vois, s'il avait bien regardé sa carte, il aurait vu que derrière lui, il avait deux Smolensk. Ah, un cyclone en approche. Merde. Oui, on est là pour le Yugumu. Hein. Nous, on est là. On a un Jean-Barre AFK. Mais. Youpi. Ah, le Puerto est là en plus. Pop, allez, petit boost moteur, enfin petit reload boost. J'en ai trois qui me visent. Izumo. Et un Kurfürst. Eh ben allez, j'ai la totale. Ah là, j'ai la totale, je passe même à quatre qui me visent. Oui, c'est bon la vie. Attention au Puerto qui essaie de foncer. Hein. Il fait déjà demi-tour. C'est parfait, le quitta. Ah, j'ai pas d'angle. Tiens! C'est bon, je suis juste passé à 6 qui me visent. J'ai touché le Kita, 2 obus sur 3 qui ont touché. Reviens, On est reviens parmi parfait. nous. Oui, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Mais le Yugumo, maintenant qu'il sait qu'il y a le Kitakaze de ce côté, je pense que tu vois, il prend un peu plus de risques. Voilà. Allez, j'en ai 7 qui me visent. Allez! Allez, j'ai fait le spot pour tout le monde. J'ai spoté, c'est bon. Et maintenant, je me casse. Salut! Il pleut, c'est bon, j'ai tanké 1 million. C'est bon, je suis bien.
Tout va bien. Pourquoi je suis à la paix? Voilà, il n'y en a plus que deux qui me visent. On est bien. On est bien, Tintin. C'est moi qui en ai pris 4. Fin d'échange. Voilà. Voilà, on a toute leur flotte sur nous, donc c'est à eux de pousser. Allez les gars, poussez. Allez-y, poussez madame, c'est un beau bébé. C'est le, bah, c'est le Smolensk. Enfin, il a une citadelle, mais... Je peux faire plus que 18 000 de dégâts. Je peux farmer un peu plus. Allez, un petit feu encore sur l'Izumo. Un petit feu. Allez, petit feu, non, je peux pas. Ça y est, le jambard, c'est bon, vient de se réveiller. Non, je peux pas. Non, il m'a dit non, je mettrai pas de feu sur l'Izumo. Et je ne le vois plus. Pareil. Mais je lui ai remis un feu. C'est bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui, certes, Bratislava. Oui, non, mais Bratislava, mais... le principe de Broadside, c'est justement de te prendre des citas. J'arrive, j'arrive. Je suis Schwinden, moi. Tu vas aussi vite que moi, Yamato. Alsace. Qui s'en va. Ok, parfait. L'Izumo. Parce que ce serait bien qu'on puisse caper, là, quand même. Dans 27 secondes, j'ai mon boost qui revient. Voilà, voilà. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je pense que cet Izumo, il a fait un tout droit, sans camo. Mais évidemment, Fanaco, ce qu'on sait, c'est juste que voilà, ils avaient notre équipe à la supériorité sur A, ils ne poussent pas. C'est incroyable. Boost moteur, c'est parti. Boost des moteurs activés. Alors, je suis pas spot, donc le Kita, à mon avis, est parti sur B. J'ai pas l'angle évidemment sur le Smosmo. Ah, il y a le Puerto qui revient. Ok, ça y est, j'ai été spoté. Mais je vais le toucher, oui. Oh, 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 oh. Il y a un Minotaur, il est pas content. L'Alsace. Attention au Minot. Ouais, attention au Minot. Minot. Là, le Minot, il a très très mal joué son coup. Aïe! Là, faut. Ouais, vas-y. Hop là. J'ai pas l'angle sur le Minot. Joli. 5, 4, 3, 2, 1. C'est moi qui... Non, c'est Liam qui l'a eu. Bah, je lui ai collé quand même. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Voilà. Du coup, c'est nous qui étions en infériorité numérique. Et en fait, c'est nous qui poussons. Ok, non, mais j'aime le concept. Ah, bordel, j'aurais pas dû tourner autant. Moi, ça va, c'est Liam qui va prendre pour moi, donc je suis bien. Pof, pof, voilà. J'aime le bouclier.
Oh, une île. Oh non! Pile au moment. Non. Oh, j'en ai marre. Là, maintenant, on a le cyclone, quoi. Donc. Ouais. Oula, oula. Jouer l'Alsace dans la méta actuelle. Tout va vraiment dépendre du matchmaking, ouais, ça c'est clair. C'est ça. Personnellement, moi je peux te dire que là, Linden, il a t'as un bon DPM. Hein. Bon, t'es lent, mais t'as un bon DPM. Il est Rogue, c'est qui Rogue? Je me soigne maintenant. C'est vrai que le Kita, on l'a plus vu. Mais il est mort, le Kita. Ah, il est mort? Ah, ouais, donc c'est le... Ça fait très longtemps que j'ai pas joué le H4, Tito, donc... Si tu veux, en fait, il y a notre Izumo qui a vu un Kita, et il n'y a plus Kita. D'accord. J'ai tanké quasiment 2 millions, quoi. Truc de bourrin. Enfin bon, tu me diras, c'est normal. Bah écoute, qui dit. Donc c'est Stargate qui le joue et il l'adore. Bah personnellement, ça. Bah il est bien parce que comme dit, tu tires toutes les 8,6 secondes maintenant. C'est honteux. Ah, le destroyer ennemi est repéré. Ah, il y a du monde en face. Ah bah ouais, ils sont tous en train d'arriver. Non, c'est bon, il n'y a plus de Shima. C'est Stizumo, c'est un tueur de DD. Putain, c'est pas censé être un cul. Alors le problème c'est que notre Izumo est en train de foncer. Là j'y vais à la torpille. Je crois que j'ai eu une petite citade de la part de l'Alsace. Aïe. Effectivement, ça ralentit beaucoup moins bien qu'avant. Tu sais qu'on va partir sur Stargate, qui s'est arrêté dans une smoke. Oui, non, c'était juste que j'ai fait un petit... On va s'arrêter. Attention au Kurfürst. Ouais, bah j'ai pas le choix, hein. Je suis pris en étau, là. Ah bah, appuie Puerto Rico. Après, t'es pas trop mal placé pour tanker. Appuie Alsace non plus. Bien joué. J'ai tué quelque chose? Ah, mais c'est clair, Red Bulls. Mais le problème, c'est qu'en fait... comment dire? L'endroit où je me bitchais, c'est qu'il y avait un Alsace qui m'attendait. Donc, voilà. C'est même pas cette question là, Tito, c'est que j'essayais de me repositionner par rapport à... ouais. C'était par rapport à l'Alsace en fait. J'ai pas tiré sur l'Alsace. Ah, mes secondaires. Oui, j'ai vu Bratislava, ouais, je l'ai vu. Ah, c'est mes secondaires qui ont tué l'Alsace. Ouais. Ils ont collé des feux. Cherche l'erreur. Bon. Non, le problème c'est ça, c'est qu'avec ce putain de cyclone, on voyait plus rien. Parce que notre Shima étant parti totalement en bas, bah on voyait absolument pas ce qui se passait. Oui, il va mieux, Karkarias, ouais. Il va beaucoup mieux. Là, du coup, alors maintenant, effectivement, le Shima se fait plaisir. La carcasse, ça fait deux matchs que le Linden prend des buffs. Il n'a pas pris de nerf, il a pris deux buffs d'affilée. Le problème, c'est que bah,
Toujours pas. Il sera jamais méta. C'est ça, mon nez lui a dit coucou. Pour moi, il sera jamais. Pour moi, il sera jamais encore. Il sera pas méta encore, même à cette saison. Je veux dire. Il est trop lent. Et avec l'histoire du cyclone là qui arrive en partie, qu'est-ce que tu veux prendre un. Tu veux prendre un Indom? Tu préfères apprendre un Mosva parce que le radar à 12 qui fait que si d'un coup bah ah je suis spot bah allez hop le DD et pouf. Allez, achevons cette partie. Mais oui, le H4 ça fait deux nerfs d'affilée, deux mages, deux nerfs. À la fin, tu verras, ils vont dire ah, terminé. Ils vont mettre un spot, le mieux ce serait qu'ils disent ah bah en fait, on va faire un mini cuirassé. Tant qu'à faire. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui. Forcément. Voilà, je suis tout en bas. Bou, 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 bou. Ouais, en fait, voilà, à cause du cyclone, tous les navires qui tirent en fait de loin, Henri IV, Smolensk, en fait, ont terminé en bas. Parce que du coup, ils voyaient rien, donc ils sont obligés de se rapprocher. Et je, hop, a pu. Allez, Bégorgor, c'est parti. Je l'ai pas dans mes contacts, ça me paraît bizarre. Enfin, hop, voilà. Du coup. J'ai déjà fait deux directives de plus. Du coup. Moi, j'en suis où dans mes directives? Ouais, il me reste un incendie ou une citadelle à faire. Oh, Tito, t'as pas honte? Non, sûrement pas en reverse. Mais ok, on va partir en tier 5. Ok. Très bien. J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai? Krasny. Alors. Ouais. Ça, j'enlève. S'il faut quand même. Il faut ça. Bataille, crédit. Voilà. J'enlève ça, tant pis. Bonjour. Hello, comment vas-tu? Ça va, enfin un peu malade. Oh! Je devrais être au travail là. Bravo! Non, mais bravo! Bah, je fais des parties pas trop dégueulasses quand je suis malade, alors du coup, c'est pour ça. On aura tout vu. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tito, il y a challenge et challenge. C'est du tier 5 là qu'on prend, c'est ça? Ouais! Exactement. Je sais pas jouer tier 5. Non, c'est pas vrai. Bon, t'as pas un petit Giulio? Non, j'ai le Jaguar, le Sirocco, l'Exeter. L'Exeter, bon, il est pas mal l'Exeter. Ouais, c'est ce que je pense prendre. L'Alaska, la Casta. et les Arpey, les ARP. Hein, les ARP sont devenus des navires premium maintenant. Ouais, c'est pour ça, je pense que je vais prendre l'ARP. Quitte à me faire un peu de pognon, autant faire du pognon. Je dois encore gagner combien de crédits? Non, c'est uniquement avec le UK. Alors, pourquoi j'ai mis crédit? Il faut que j'enlève ça. Attends. Ah voilà, parce que ça y est, je l'ai eu. Voilà, non, j'ai eu le truc crédit. Donc j'enlève les pavillons crédit. Enlevez-moi chez Connolly. Mais tu sais, ça, même quand on a une maladie, ça t'empêche pas de jouer et de faire autre chose. Hein. Je gagne pas de sous, là. Donc, c'est pas grave. Alors, bataille 50. 50, XP commandant. Je vais enlever celui-là pour mettre celui-là. Voilà. Alors, Théo, et bon, voilà. Ben, voilà, comme vient de le dire Tito, voilà, tu récupères en fait des tokens. Et ces tokens, tu vas les échanger contre des lots aléatoires dans l'armurerie pour ensuite tenter de récupérer des croiseurs anglais réguliers, voilà, qui sont en train de sortir. Et bien, du coup, c'est parti pour un snipe en tier 5. Les croiseurs lourds anglais, du coup. Ouais. Qui vont retourner sur un gameplay croiseur un peu plus classique, puisque tu as des HE et des AP. Ouais. C'est merci. Ce que j'ai cru comprendre. C'est ça.
Mais les Par croiseurs contre, je sais. moyenne portée. Ouais, par contre, si j'ai bien compris, ils ont pas de smoke. Non. C'est ça, ils ont. C'est comme un des. Enfin, ouais, c'est pas comme un des moines, parce que le des moines a une grande portée, mais concrètement, au final, ça va être comme le. C'est des croiseurs à tir rapide. Oui, voilà. En fait, c'est les. Voilà, ils ont un reload. Enfin, en fait, jusqu'au tier 8 inclus, leur reload est normal pour des croiseurs lourds. Donc voilà. Mais Mais j'ai pas après, entendu. au tier 9 et tier 10, comme ils ont un gros calibre, c'est du 234 mm, là, il y a un gros nerf au niveau du reload. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les croiseurs lourds, donc tu n'as pas l'accélération des destroyers et des croiseurs légers anglais. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ce qu'ils Donc ont nerf voilà. sur le H4, a priori, c'est ça? Ouais. Alors, je reviens juste dans quelques instants, j'ai un truc à couper. À tout de suite. Ouais, y a pas, ils en disent pas plus hein, sur les modules légendaires, comment ça va se goupiller. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, rue. Oui, On voilà, verra, on effectivement. verra à l'avenir, on verra dans le futur. C'est Pour ça. le moment, il faut pas non plus stresser parce que voilà, Non, on non, a non. des Pour le modules qui moment, vont changer. effectivement, voilà, tout va être rework. Il y a des. Voilà, Est-ce y a que plein de choses qui ont été annoncées, mais on n'en sait Parce que la rien seule chose que de j'ai plus. compris, c'est qu'en fait, tu gardes l'émission des. Absolument pas, Tito. J'étais juste parti couper la machine à laver. Ouais. Tac. Oui. En fait, les missions, elles vont disparaître à la prochaine mise à jour. Et après, tu les gagneras via le bureau de recherche. Donc, Voilà. il faudra se taper. En gros, il faudra que tu te tapes une branche pour choper, je pense. Je pense que ce ne sera pas plus que le prix d'une branche pour que tu t'en dises L module. Parce que Voilà. si c'est plus qu'une branche, non, c'est débile. Moi, je devrais pas tarder à débloquer justement le truc de recherche parce que je commence à avoir pas mal de tier 9 Personne. full life. Enfin, full. Alors là, il va falloir se méfier par contre voilà, du Devonshire sur cette carte. Sur cette carte, il y a moyen pour lui, en se plaçant correctement, alors suivant l'endroit où il est, hein, bien sûr. S'il est en face de nous, manque de bol pour lui. S'il est en face, il a juste à se mettre derrière l'île au niveau de leur cap et il va être très très dur à déloger. Parce qu'en Ouais, plus. c'est des tirs hautement en cloche, c'est ça, c'est des tirs très. Enfin. Alors, c'est pas autant en cloche que les Américains, mais relativement. Voilà, Ouais, donc c'est du Cleveland style, quoi. moins quand même. Il y a des îles pour lesquelles ça va pas passer. En fait, c'est les navires qui sont un petit peu faits pour les embuscades. Pouf, je tire deux trois salves et hop, je repars me cacher. Enfin, c'est D'accord. voilà. Non, non, Tito. Oh, je me mettrai. Je vais sûrement tenter un reverse. À un moment, je vais tenter un reverse. Il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, hein, Carcarias. C'est clair. Voilà. Un petit Exeter en face. C'est moi ou il te veut Bah écoute, hein, Ou il a essayé en tout cas. On tente le Bah il m'a dit. monter. Il m'a mis quoi? Deux roquettes, ce stade. Mais bon, Oui, il quand n'y il a aura jamais de perdu. sous-marin, il n'y aura jamais de premium T10. Le Monte qui me vise ou c'est le Warsprite? Allez, 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 mamie, tu sais quoi, je vais te tirer dessus. Et effectivement, je vais commencer à me mettre en marche arrière. Ah! Icarus! Si vous pouviez le descendre, c'est un peu ma cible. Ah, ça y est, un feu. Oh, je l'ai raté. Un ricochet? Oui, tu peux ricocher. Non mais non, c'est pas possible de ricocher sur un croiseur broadside. Ben si, ça arrive, c'est Si, ton obus qui a si. décidé. Nope. Non mais si le DD il se smoque. Ah, Tsuwaru! C'est pas grave, Yamami. Yamami qui est visible.
Sérieux, les obus étaient pour toi et c'est moi qui ai ramassé. Ouais. Alors wow, mamie, tu vas brûler. Tu vas brûler. Bah, il est où? A pu. Bon, c'est pas grave. Non, mais... Il y a un piotre. Il y a un piotre, c'est pas grave, il y a un piotre. Ah, il y en a deux maintenant qui me visent. Salut, je me casse. C'est le Mante qui me vise. Ok. Mais il y avait autre chose. Salut. Un feu sur le piotre. Qu'est-ce qu'il fait avec sa vitesse? J'arrive pas à... Oh, Icarus! Je mets l'hydro. Tiens, regarde les torpilles. Voilà, un feu sur mamie. Il a un star répa. Il a un star répa. On a un champion. Un champion full HE qui va les tanker dans le côté. Non mais c'est ça, voilà, un Warspike qui joue à la HE. Et là tu te dis mais pourquoi quoi. Après, jouer à la HE c'est pas très grave. Avec un Warspike, non. Oui. Non mais je suis d'accord. Quoi, c'est un anglais, non? On lui a dit que l'écurie racée anglaise c'était HE. Là du coup il va souffrir sa mère là. Hein. Ah oui, non. Bah non, je le spot plus, il a arrêté de tirer. Non mais il a reçu les torpilles donc en fait il flotte. Oui, il a mal. Il me tire dessus mais il me touche pas. Par contre faut que je fasse attention bien sûr parce que alors là il peut me dévaster s'il décide de me focus. Trop de lead. Ah, il y a un Texas dans le coin aussi. On l'avait pas vu celui-là. Aïe, 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 la petite cita qui fait pas mal. Aïe, 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 là, je suis vraiment pas bon. Là. Ok, donc de l'autre côté, ils se font, mais... Ouvrir en deux. Ouvrir la gueule. Ouais. Attention. Voilà, je ravance. Bon bah là il est mort normalement le Warsp. Oh putain, il est Carus qui arrive. C'est normalement qui me fait peur. Et voilà, plus de Hatsu. Excusez-moi. Je m'inquiète plus de l'Exeter et du Texas qui sont à l'autre bout de la planète que le Warspite auquel je peux me balader broadside. Voilà. On focus le piotre. Yep. L'Exeter qui a réussi à me mettre des dégâts. Ça change. Non mais c'est l'Exeter qui me tire dessus, je pense. Ouais, il me tire dessus à la paix. Oh, il y a le Monté de l'autre côté qui arrive en plus. Icarus. Il y a l'Icarus, ouais, un peu ouais. Trop près de okay, moi. Ok, feu sur l'Exeter, ouais, mais je peux rien faire, quoi. Il me reste vraiment plus rien. What? Ouais, ils se sont fait, mais enfin. Ah ouais, bah voilà, le Texas, il a fait une frappe d'Eva, peinard. Ah là là. Même pas broadside. Oui, effectivement, oui, Alex, il nous a dit qu'il désinstallait le jeu. Suite à une séance pourrie. Voilà, déjà un navire en moins. C'est bien, mais il y a toujours l'Icarus. Je suis un peu tout seul de... Enfin, tout non, seul. Non, je suis là, mais il me reste plus grand-chose. Non mais c'est pas toi ce qui m'emmerde, c'est le New York qui reste derrière, qui vient pas prendre ses coups. Et du coup, ben tu. Quand t'es un peu tout seul.
Ok, là. Écoute, je vais essayer de venir t'aider. Je fais que 12 000 quoi, pour le moment, j'ai rien fait. Tu Rien sais, de rien. j'ai fait 24 000, mes obus, ils m'ont troll. Quand t'as un exciteur de flanc, que tu réussis à ricocher dessus, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Merde. Putain, j'en prends une. Pas Ça loupé va. pour le reste. Pas grave, j'en prends qu'une. J'arrive avec mon hydro qui va pas servir à grand chose. Nicolas qui est derrière. Qui se smoke lui aussi, non ça. L'Icarus qui s'en va. J'essaie de sortir le Oh non Nicolas. mais... Sérieux, mais où sont passés mes obus? Dans Voilà. l'espace sidéral. Là où dans l'espace, il y a des obus. Là où dans l'espace. Non, l'Icarus joue bien hein, en plus. Hein. Non non, l'Icarus joue très très bien. Ouais, il joue très. Ah, enfin un feu. Ah bah, on voit l'Icarus d'ailleurs. C'est un vrai joueur de Non DD qui mais... sait jouer. Voilà, j'ai fait de la mouise. J'ai tanké pour 1 million, mais j'ai fait de la mouise. Non, et puis il est vite bien. Hein. Ouais. Il joue très très bien. Le Texas qui a essayé de me faire un petit coup. La partie est quand même bien bien. Voilà, moi je m'en vais. C'est au New York d'aller tanker à ma place. Ah bah c'est au New York de... Le Hein? problème c'est que Voilà. New York le fait pas... Il aurait avancé un peu plus tôt, je me serais peut-être pas pris les torpilles, j'aurais peut-être pas... Tu vois... Et le Piotr qui tire à la HE, oh, en plus. Ouais. Écoute, vraiment, y a de quoi. Voilà, un petit feu. C'est pas que j'ai. Voilà, c'est. On me l'a demandé. On m'a demandé de le sortir. Ah là là. Je vais aller taper sur l'Icarus. Non, il va quand même pas taper avec les bombers sur l'Icarus. Non. Non, il va aller taper le... L'Exeter, ouais, lui fait mal quand même. Etc. À 12 km, je vais avoir mal là quand même. Voilà, et l'Icarus qui revient. Oh, ouais, il s'arrête là. Ok, il s'arrête là. Ok, arrête-toi là. J'ai vu où t'étais, hein. Ouais, et avec ça, j'ai pas touché. Ok, j'ai pas touché. Non, non, mais ok, j'ai pas touché. Enfin bon. C'est qui nous a fait partir en tier 5 là, que je le... C'est Tito, je crois. Ah, Ouais. Tito, espèce de méchant, pas Méchant, beau. méchant pas beau. Voilà. Méchant. Je t'aime. Je t'aime pas. Je tiens à Vilain, t'informer. puni. Tu es une personne que j'exècre. Je te déteste. C'est normal, c'est un KWX. Ah oui, non, mais voilà. Oui, Alex, il y en a, hein, il y en a des croiseurs lourds là en ce moment. Il me reste 500 PV. Tu vas survivre? Non, je peux pas. Pas avec Non. le blindage que j'ai. Hop, hein. Allez, ça c'est fait. Du coup, bateau Alsace, bien.
Ah, ça me va. C'est parti. Touc. Bientôt débloquer le République, d'ailleurs. Ah. Quand je dis Hop. bientôt, c'est vraiment bientôt. Je dois faire une partie, je Oui, c'est pense. ça, évidemment, Théo. C'était évidemment pour ça. Tu te mets prêt. Ah oui, non, c'est parce que. Tac. À plus, Tito. Ciao, ciao. Merci d'être passé. Parce qu'alors, du coup, ça va être bon. Donc, les points de dégâts, on a T'es toujours dans dit. la partie Il y a Stargate qui doit encore être dedans, ouais. Ouais. Je regardais juste quelque chose vite fait encore. Tu saignais encore des yeux? Ah non, non. Ah. Non, j'étais en train de regarder un truc sur le forum et puis du coup j'ai complètement Ben, zappé regarde, Galran, l'attaque. voilà. Ah, parce Entraînement que si avancé au tu. tir, manuel secondaire. J'ai pas IFHE. Tu prends quoi l'Alsace? Oh. Ah. Que je vais prendre le troll ou pas? T'as le droit de prendre le troll. T'as le droit. Non, c'est le troll par rapport à moi, hein. C'est pas un troll par rapport aux autres. Ah, oh. Généralement, quand je le joue, je me fais troller par mes propres canons. Non, mais c'est malin. Ah non, mais tu peux demander, hein. C'était magique, hein, l'autre jour. Non. On va pas faire ça. On va faire Bon, ça. bah, je sens que ça va être. Et ça. Voilà. Non, mais. Attends, Oh mon comment te le Dieu. dire? Ça va être très fin, Oh je mon sens. Dieu. Ah oui, non, mais Alex, je dis rien parce que jusqu'à il y a quelques mois, j'étais 10e serveur EU en termes de dégâts sur le Krasny. J'ai été détrôné par. Zut, comment il s'appelle? Un autre streamer. Un streamer anglais. Zut! Ah, j'ai oublié son nom. C'est terrible, en plus, j'aime bien le regarder. Du coup, Snipe en T9, s'il vous plaît. Voilà, Mr. Gibbons, c'est ça. Il est passé devant moi, donc c'est lui le 10e et je suis passé 11e. Attention, j'ai lancé. Mais bon, après, j'ai que 10 points sur le Krasny, donc il n'est pas au petit encore. Parce que j'ai décidé de monter un capitaine exprès. Oui, non, mais effectivement, Bratislava, oui. Se faire détrôner par Mr. Gibbons, ça va. J'étais à 144 000 de dégâts, je crois. Ah, j'ai pas vu, Pinard, je suis désolé, je ne t'ai pas vu. J'étais tellement occupé par mon truc. Je suis désolé, je ne t'avais absolument pas vu, Pinard. Quand est-ce que t'es arrivé? Parce qu'habituellement, je dis bonjour à tout le monde. Attends, je te vois Ouais, je l'ai pas. pas vu non plus. J'ai pas vu l'abonnement. Je t'ai pas vu, j'ai rien vu apparaître. Mmh, déjà. Ouais, parce qu'habituellement, enfin, quand il y a justement, il y a tout qui apparaît, etc. Ah, c'est bizarre. A, B ou C? Hello Phoenix. Je suis Hugo. désolé, Pinard. Ah oui, non, mais en fait, non, je comprends pourquoi il s'est passé. En fait, il a dit bonjour il y a à peu près 11h, il y a 11h30. En fait, le problème, c'est que tu as fait un arroba slash tarier. Du coup, en fait, on n'a pas vu. Tu mets pas en surbrillance le Sébastosphique pour que le Ah, streamer voit. En fait, t'aurais dû mettre un espace juste, tu vois, d'accord, Pinard. ok. Non, non, mais T'aurais dû faire. c'est pas un souci. Ah oui, voilà, ça y est, je le vois. Ouais. Et du coup, en fait, comme il y a des, ouais, moi, en fait, sur mon chat perso, parce que je passe par un autre truc, ça a fait une espèce de, enfin de, voilà, de Pour gribouillis de ça. code. Voilà. Donc, en fait, je n'ai absolument rien vu, Pinard. Donc, excuse-moi, effectivement. Faut que je descende au-dessus de moi. Ah. Voilà. Y a pas de souci. Ouais, je suis visible de loin, je suis bleu, blanc, rouge dans tous les sens. Donc voilà. Donc 1000 excuses, effectivement. Ah tiens, j'en barre.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, j'ai 3, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 logiciels en même temps. Et celui que j'utilise moi pour récupérer le chat, bah, c'est pas beau. Ça fait que Tu voilà, utilises c'est quoi? bien mon bot. Ok. Et pourquoi Ah, je. moi j'utilise la chatbox. Voilà. Et du coup, en fait, bah non, la manière dont tu Mais avais écrit les. on a. Dont tu avais tout écrit. Le Yashima. Ah, oui. Voilà, Oh, c'est beau. ça faisait un truc vraiment bizarre. Le Oh, la jambard, tagou. c'est moi où le jambard est un peu mal positionné, dirons-nous. Sais pas ce qu'il fait le sein, oui. Ah, tagou, tiens. Non, il s'en va. Y a un jambard en face de nous, il est Ouais. légèrement broadside. Et il se met bien, bien broadside, quoi. Il s'éloigne d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. Voilà, un obus du jambard qui me touche, un feu. Alors Oui, le Yashima, c'est évidemment, il n'y aura jamais de calibre supérieur à 460. Hein? Voilà. c'est. Bon, Mais bah, non, ouais, mais je clairement. suis pas au bon endroit là. Du coup, voilà, Oh j'ai. purée, non, non, oh, non, 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 mais pourquoi je suis descendu au sud d'Yalbenab? Pourquoi je suis allé par là, moi? Je sais pas, alors du coup, je t'ai suivi. Vous voulez pas descendre? Oui, j'arrive, j'arrive, J'arrive! j'arrive, 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 On j'arrive, j'arrive. arrive, on fait Parce que. demi-tour. Voilà. Laisse-nous le temps. On fait mumuse, on éclate un jambard et on arrive. J'ai rien fait sur. Oh, J'ai j'ai que rien fait. ricoché. Je Pas vais coller, je super. lui ai collé un petit quelque chose. Au jambard? Un bon petit 12 000, je crois. Oui, j'ai vu sa barre de vie disparaître. Enfin, prendre une grosse claque. C'était donc toi. C'était moi. C'est méchant. C'est Oui. pas gentil. Alors, un Benham contre un Friesland, ça donne quoi? Ben pour le moment, le Benham gagne, je crois. Non, mais là, il y a la Saint-Louis qui arrive, hein, donc. Il y a eu Kagero. Non, mais ce Qu'est-ce Jean-Bart que. qui tire à la HE à 21. Oui, non, mais il y a un manque de respect total, hein. Ça manque de respect, c'est incroyable. Allez, on y va, on fonce. Taillou! Ah oui, alors là, c'est le stomp là, qui est en route là. Ouais, fais attention quand même, il y a un DD, je pense. Oui, il y a un Friesland. Ouais. Donc, rien à foutre. Ok, j'arrive, j'arrive. Tu tires le kiki? Ouais. J'aime bien tirer les kikis. Excusez-moi. Oh le. Oh oui, Saint. Oh non, mais Saint-Louis, c'est trop gentil. Ouais, Ah oh, oui, c'est faut nickel. pas là. Vas-y, viens. 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 Voilà. Oh, regarde, il y a un kagero juste devant. Oh Ah là, y a trop de monde, ça va être trop facile. Ouais, j'ai fait mal au. Bon, j'ai fait le Saint-Louis. très bien. Je fonce sur le kag. Taillot! J'arrive aussi. Je Alors, il y crois a. qu'il a essayé. Il a essayé ou me torpiller, je sais De pas. me torpiller, je crois. Mais j'étais dans l'alignement, ça marchait bien aussi. Allez, Où il viens. attire entre nous. Entre vous, mon cœur. Une overpen. Voilà, ça c'était les autres torpilles. Non, ça c'est du Saint-Louis, ça. Ça doit être celle du Saint-Louis, parce qu'il y en a que trois. Je suis hydro. Hein? Hydro par quoi? Le Friesland. Coucou Friesland! J'aime bien le concept en fait. Ah, oh, mais le Benham, c'est complètement abominable. Il te sort des DD chez nous, mais à l'appel, quoi. Boum! Ouais, Voilà! Coucou Kagero! Allez, butt sexe! Un petit butt sexe! Allez! Ouais. Butt sexe! Bleu! Ça picote, ça picote. Next! M'en fous, Tu maintenant, repars. maintenant je peux crever, c'est pas grave. Ouais, je peux Si on crever, pouvait je peux éviter. crever. Si on pouvait éviter, ce serait bien. Non, mais c'est bon, je peux crever, c'est bon. Attends, regarde, c'est quoi ça? C'est un Alsace Broadside? Ouais. Attends, bouge Allez, viens pas. là. Tiens! Ah, Et j'avais que maintenant, 5000. hop, voilà, je me soigne. Brrrup. Vas-y,
Je vais essayer de tanker un peu le temps Ouais, que tu... j'ai fait mon boulot là. Ouais, t'as fait ton taf. Oh, bien joué, Canaf. Alors, il y a un Kiki. Il y a un Kiki qui va pas loin, qui va pas très vite. Allez, Kiki. Kiki, allez. Oh, attends, mais il y a un joli chapi. Bon, vous pouvez arrêter de me faire. Allez, te focus, hein. Ah bah, je viens de leur sortir coup sur coup de DD, tu m'étonnes. Il y a un Jean-Bart qui arrive, hein, encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, j'en ai un qui me vise. Non, mais ça, c'est une blague. L'Alaska à 12 bornes de moi, tu te rends compte que le FDG, il faut vraiment qu'il le buff. Parce que à l'arrêt, 12 bornes, le Oui, mec, tu tu le rates. touches pas. Hein. C'est. Tu cherches même pas à comprendre. Allez, capture de la zone. Capture de la zone. J'ai pris aucun obus. Voilà! Je viens au cuirassé de faire un capture. J'aime. Ah, les gens, mais vous êtes vraiment pas Non, sympas. mais c'est clair qu'Arcarias, ouais. De vraiment, vraiment dommage pour le. Allez, on va Bon, faire une petite bêtise. j'ai raté le chapi. Qui c'est qui me vise comme ça? Ah, c'est le Jean-Bart peut-être? Non, je sais pas. Ah, c'est le Kiki? Bah non, c'est pas le Kiki. Je sais pas, je ne sais pas qui me vise. Je fais pas grand chose, mais je me promène, moi. Mille. Ah bah c'est le chapi qui me tirait dessus. Un Alsace à 8 bornes, il Ah me si, c'est pousse bien le encore. qui. Allez, Kiki. Il y a toujours le Benham, hein, donc. Ah oui, non, mais le Benham, il se fait son beurre, hein. Le mec, qui vient de m'enlever quasiment tous mes PV. Et l'autre de Benham, il fait... Ouais, il Il y a reste plus avec de nous. Benham. Si, Ouais, si, on non, en a il est avec aussi. nous. Ouais, non, il est. On a un mec avec nous, c'est... Pas cool. Non, normalement, le qui s'en va. Voilà. Et bien, je fais une citadelle Non. pour 2000. Attends, je fais une autre citadelle sur un autre croiseur. Attention à l'Alsace. Ouais, je suis totalement broadside à l'Alsace, mais il m'avait pas tiré dessus. Il avait Non, il m'a pas. tiré dessus sur moi. Ouais, et bah heureusement, parce que sinon j'aurais morflé ma maman. Attends, bouge pas. Alors, 4 km. Un Alsace qui s'ouvre. Ouais, j'ai mes obus qui Bah, il sont sangle. prêts. Non! Eh merde, il est sur moi. Au revoir! J'ai eu le temps de faire un petit soutien. Pas intéressant pour moi de le. Non, mais t'as un Atago. Un petit drive-by? Ah non! Parce que là, oui, là où, ouais. Voilà, ça c'était une tourelle. Ouais, mais moi j'ai. Putain, je me suis loupé. Ouais, la Je me Tago suis qui a loupé, j'ai eu. 10 km. Je me suis loupé totalement sur les. Oh Sur là un de mes tirs. C'est. J'ai mes tourelles, elles sont pas tournées. Mais qu'est-ce qu'il fout? Voilà, Buffalo et Saint-Louis, par contre. J'ai fait Ils sont mal, mais mais complètement. je lui ai détruit une Complètement à tourelle. Je lui ai détruit l'écart. une tourelle au moins. Bon, en tout cas, Dommage. ça va, putain. Salut Partinus, comment ça va? Ah putain, ça m'énerve. Me suis loupé. Les Benham, moi je suis content quand t'as dans une partie un CV. Putain, les Benham ils sont en mode pleureuse. Putain, c'est juste horrible. Non, mais c'est juste horrible, un Benham. Vas-y. Ah ouais, non mais c'est clair. Le torpille qui te lâche. Ah, il m'a fait mal, hein. Je me suis pris toutes ces torpilles. Impossible à esquiver, il y en a trop. Ouais. 16? Il en tire combien? 16? Ouais. C'est le navire le plus débile au monde.
Encore pire que Smolensk. Et c'est ce que tu peux tirer une par une? Oui, qui dit c'était un. Non. Non, non, c'est un destroy américain. Hein. Oui, c'est américain, oui. Voilà, mais le pire. Non, mais le truc, c'est qu'à peine t'as un rack qui a tiré, qui arrive en bout de course, ça y est, tu peux relâcher tout de suite, quoi. Ouais. C'est un reload, mais trop rapide. Ah, d'accord. Bon, là, le Musashi. Le Musashi va y passer. Non, pour le moment non, mais je veux dire, enfin, il y a aucun moyen pour filer. Au final, oui. Il peut absolument pas échapper. Si le Benham fait de la mouise, oui. Sauf si le Benham fait une erreur. Mais bon. Mais non, t'as pas besoin, tu restes à longue distance. C'est. Ouais, c'est des torpilles américaines 12 bornes, c'est ça? 9-6. Non plus. 9-6, je crois. Ah oui, non, quand même, c'est court. Ouais, mais tu t'en fous. Tes spots t'as rien du tout. Ouais, il est discret, enfin il est juste excellent quoi. Ouais, alors là Buffalo, voilà, tu t'es vraiment mal positionné quoi. C'est pas comme ça qu'il faut se placer. T'as raison, mets-toi à 8 km d'un jambard. Et voilà, et hop, le Musashi se reprend de la torpille. Et voilà. Poc, ça va. Le problème, c'est ça. Voilà, le Benham, il se met tranquille à 7, 6, 7 km et c'est bon. Mais oui, c'est complètement. Et du fait de son reload de torpille, il va systématiquement empêcher le Musashi de caper. Bah, il y a un mais Wargaming ne le nerfera pas, le Benham, parce qu'il y a trop de Benham, il y a trop peu de Benham en jeu en fait. Ouais. Et. Yes. Mais il a un premium. Bol ce Buffalo. Ouais. Oui, le voilà. Jambard, c'est pas forcément tiré. C'est clair. C'est clair, le Saint-Louis ferait mieux d'aller en A10 pour ce qui est. Il va quand même pas le ram. Non. Non. Voilà, ça y est, il a eu le. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord là, le Benham, ouais. Qui fait un torpedo. Le nom de Benham risque de buter l'autre quand même. Je sais pas ce que fait le Lion adverse en fait. De la mouise. Voilà, de toute façon, notre Saint-Louis va disparaître sous les coups. Voilà. Il hein? s'est fait. Ah, oh, bah oui, le jambard. Bah tiens. Bah, pour le moment, on gagne. Hein. Il est en réentraînement sur un ship allié. Non, on peut absolument pas savoir, Alex. Bon, on gagne pas assez, mais on gagne. Bah là, le Buffalo va fuir pour effectivement aller sur B, une bonne idée. Problème, ouais, mais il faut qu'il arrête de tirer. Cela, Prouch. Non, il est du bon. Ah non, il continue. Oh là là. Oh là là. Oh. Il a quand même du bol, là, le Buffalo, parce que... Il a un bol, mais... Mais par contre, le Benham, faut pas qu'il aille sur B, pour le moment. Ah oui! Alors oui, en fait, ça, tu peux le savoir. Oui, ça, tu peux le savoir, Alex. Oh! 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 Non! Dommage! Dommage, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose. Oui, en fait, voilà, c'est ça, exactement. Quand tu as un capitaine en réentraînement, Alex, les capacités sont actives à 50% de leur plein potentiel. Ouais, sauf que le nôtre est moins bon quand même. Oh mon dieu, le nôtre se fait déboîter par l'autre Benham, quoi. Il avait commencé avec moins de points de vie et là il se retrouve à égalité. Hein. Voilà. Ouais, non. Voilà. Ouais, il a failli le buter. Et mais bon. C'est ça, il aurait freiné si c'était passé. Ouais. Et du coup, voilà. Donc en gros, quand t'as un capitaine avec boost survie, bah ça se voit. Ça se voit parce que t'as que la moitié des PV en plus, etc. Voilà. Dommage. Dommage. Ouais. Là là. Ça aurait pu être très bien. Mais ça ne l'est pas. Voilà. Donc effectivement, tu peux avoir moyen de le savoir, mais vraiment à condition de d'être dans les bonnes dispositions, quoi. Voilà.
Alors, j'ai le temps d'en faire une dernière. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est quand même impressionnant ce que. Du Kléber, j'ai pas Kléber, Carcarias. Parce que je fais quand même soutien. Et je termine milieu de tableau. Tu termines derrière moi. Ouais, j'ai fait Mais soutien quand même. C'est je comprends pas pourquoi tu fuseau. termines derrière moi Ouais. en ayant fait 3 morts. J'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que 80 000 de dégâts. Allez, on va partir en tir 6. Mais bon, Voilà. du tir 6. Ouais. Voilà, Benham. Six Mmh. navires tranquilles. Ah, t'as même pas besoin de savoir jouer ce navire. Oh, je déteste. Tu prends quoi, ce navire? Alors, qui dit je réserverai pour la prochaine fois le York? On part en TR6? Ouais, Ouais. tier 6. Bah, j'ai fragile, hein. Moi, je prends un truc qui vole. Lequel? Ah, lequel? Ah ah! Un truc qui vole. Moi, je prendrais bien l'arc royal, tu vois, juste pour t'embêter. Voilà. Je suis juste plus rapide que toi. Non, je voulais pas t'empêcher de jouer pour ta vie. Puis j'ai pas envie de montrer un gameplay pour. Enfin. Non, attends, faut que j'enlève mon camo. Je change le Qu'est-ce que camo. je trouve? Je change le camo. Ah, c'est celui-là que je vais prendre. Un Flappy Bird. Voilà. Non, non, non. Toc. Voilà. Donc voilà, je réserve ça pour la prochaine fois. Hop. Voilà, donc j'en ai 3 sur 5. XP de base, elle est. Voilà. Ces 3-là. Il faut que j'en fasse 2. Et ce sera bon. Ok. Je suis pas sûr que le camo givré soit meilleur. Je sais pas. Oui, qui dit, c'est un navire premium. Ok, et bah allez, snipe en tier 6 pour la dernière. Vous êtes plus de 70, merci beaucoup. Merci, merci. Oui. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de prendre le porte-avions. Non, j'ai quand même fait une partie en arc royal le 30 décembre où j'ai. C'est En fait. précis, c'est très Oui, non, 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 précis. mais si, parce que en fait j'ai piqué le stream à Chumi parce que Exact. j'étais chez lui et j'ai fait une partie en arc royal. Mais où j'ai permis de gagner la partie. Parce que j'ai pas arrêté de décap, je me suis barré en courant, j'ai explosé des mecs. Double C'était. CV. C'est génial! Je kiffe ma vie! Pourquoi? Pourquoi? Cib en face en Galice. Encore que non, c'est j'ai quand Ah, même un Madcas pont aussi? entier. Ah, attends. J'ai quand même Madcas, un il est où bon Madcas? entier avec Ah oui, lui. Madcas. Chut, t'as un bon entier. Ouais, mais bon, face à deux porte-avions, fait Allez, mal quoi. Et on y du va. coup, le Puerto Rico est-il toujours en construction et ça se termine quand? On peut plus mettre de boost. C'est fini. C'est ça, Enfin, il y a maintenant des tu trucs qu'on peut payes. plus faire, ouais. Faut Maintenant juste tu mettre. payes. À Voilà, la tu mets des caisse. thunes. Tu mets des. Les crédits, les doublons qui manquent. Faut que Hello, je demande à Chumi Emmerman. ce qu'il vaut parce qu'il l'a acheté. Il l'a acheté en fait, Chumi. Il a fini par l'acheter. Mais faudrait qu'il me dise ce qu'il vaut parce que. Un Alaska en T10, correct. Pas non plus un navire exceptionnel. Non. Je l'ai. Non, C'est non. ça, donc. Tu veux mettre des sous, garde-les pour autre chose. Clairement, Oh je te non! déconseille. Perso, je vais. Si je garderai plus mes sous pour autre chose. Un Pour Hawking. l'instant. Voilà, donc le Trento il a lâché pendant à peu près une minute son chasseur. Ouais, t'as raison, mes entières sont pas dégueulasses.
C'est des Russes, et il a hein. tourné. En fait, pour les Russes, l'anti-air est à longue portée. Donc en gros, tu fais énormément de dégâts sur les phases d'approche. Par contre, une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont réussi à pénétrer, là par contre, ils peuvent te faire mal. Ok, donc le DD adverse est de l'autre côté. YOLO, fonce! Ouais, c'est un peu ce que je me dis. Ah, j'ai mis trop de lead sur le Hawkins. Moi, pas assez sur le Trento. Ah, si. Ah non, pas assez. Putain, j'ai une dispersion dégueulasse sur le Trent. Non, mais fuyez pas, restez là. Je vise un peu plus haut. Attention, Furious qui va envoyer ses pipilles. Je peux toucher un moment. Voilà, enfin. Moi, j'aimerais bien couler, tu vois. Attention au Furious qui arrive avec les pipilles. Ah, oh, je crois que je lui fais mal. Oh. Double cita. Mais tu vois, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé le finir quand même. Matkas, c'est pas bien de faire du KS. Tu veux pas venir chez les orcas? Ouais, non, mais là. Allez, Trento. C'est moi une avion là-bas. Mort. Ouais, j'ai vu. J'ai pas mis assez de lead. Tu passes pas à travers de 4 chips sans blessure, hein. Allez, on y va. Attends, il y a un Furious là-bas qui a portée de tir. Oh, piqué immobile. Chut. On dit rien. On dit rien. Pas mis assez de lead. Ah, dommage. Ouais, il est pas tout à fait à portée pour moi. Ça va mieux là maintenant, Furious? Tu veux redémarrer? Non? Tu bouges pas? Alors attends, je vais viser là, d'accord? Voilà. Tu bouges pas, copain. J'ai des copains qui m'embêtent. Allez, viens, copain. Copain! Non, je ne vois plus. Bah, désolé, j'ai plus d'avion, plus de PV. Parce que là j'ai pas mis Cita hein. Ah bah voilà. Un petit Trento qui vient de manger sa maman. Enfin qui vient de manger ses petits obus. Gentiment. À mon bisounours, je te fais des bisous. Alors bon. On va tenter un truc sur le New Mex. C'est parti. Et tu sais quoi, je vais même aller caper. C'est honte. C'est tout. Et hop là. Non, c'est pas la bonne idée. Non mais c'est bon là. Hein. Je fous quelques petites claques. Hein, un petit 16 000 sur... Putain mais... Oh là là, ils y arrivent pas à me faire mal. Hein. Mais s'ils veulent pas... Je leur demande pourtant. Je leur demande pourtant de me faire mal, mais ils veulent pas. Hein. Fais-moi mal, Johnny. Ah, voilà, le Furious est là. Non, moi je fais que de l'overpen hein, sur Monsieur Trento. Hein. Ah, bordel. Que ça va suffire pour le finir. Ah, j'ai fait une cita. Il doit lui rester que dalle au porte-avions. C'est clair qu'il doit plus lui rester grand-chose. Tu veux pas... Ah oui, non, t'as pas moyen de nous spotter. Non, là, dommage. Non. Dommage, là, pour le coup, j'essaye de mettre des feux. C'est pas grave. Allez, Trento. Bordel, par contre c'est pas celle que je voulais. Ah, voilà, ah bah voilà, une cita. Ah bah c'était mal hein, tiens. Ça va, tu t'en sors bien. Alors l'autre côté, il y a Congo. Mutsu. Oh, il y en a même un autre là-bas. Oh. Celui-là est pas touchable. Matkas, ça suffit. Alors, on a quoi? On a un Mutsu qui est quasiment broadside. On va tenter par là. Non, Seb. Ok. Ah. Ok. Non. Ah, attends, 20 secondes. Tu m'as. Voilà, c'est bon. Donc, normalement... J'ai tiré dessus. Normalement... C'est pas que je veux le piquer, mais. Je l'ai loupé. Oh
Oh non, il a bougé. Oh l'enfoiré, il a bougé. Bah tiens, avec ce qu'on lui a collé, tu m'étonnes. Non, mais il a bougé après que... Ah, je le touche, je le tue pas, mais je le touche. Vas-y, Seb. Non, j'ai les îles. Vole-le. Je peux pas. L'avion de Rocco. Si, mais trop tard. Voilà, c'est bon, je viens de tirer. J'espère que les miens vont arriver avant. Non, si. Juste avant, bien joué. Ah putain, ça n'a pas joué à grand chose. Bon allez, maintenant on va se concentrer un peu sur ceux qui sont juste devant moi. Hein. Salut Joe, comment va? Hein. Bon, il reste 8000, c'est pas intéressant. Je vais pas le voler. Là, sur le coup, je veux bien. Non, mais c'est bon, regarde. Il y a un de grâce et un Hawkins sur lui, donc... Ouais, mes secondaires aussi. C'est pas la peine. Ah, je crois qu'il y a Mamie Warspite qui me... Un Mogami? Attends. Un Mutsu qui tire à l'âche. Ok. Attends, je vais aller sur le Warspite. J'ai quand même réussi à toucher avec ce que j'ai fait. Voilà, vas-y, Sib. Voilà. Je te laisse brûler. Hein. Je laisse brûler. Il n'y a pas de souci, Sib. Oh, il y a un Gnifni. Oh, il y a Anthony Hopkins. Il faut qu'il arrête de tirer à l'âche. Non. Enfin bon. Non mais oh, c'est quoi ce manque de respect de se mettre ah, roadside? Bah voilà. Bon. Mais. Voilà. Bon. Pas fait grand chose du coup dans la partie. Bah, t'es pas le seul. Hein. Comme un génie. À part faire du spot. Ouais, c'est clair, Galeran, il y a pas eu grand chose. Ouais, je suis assez d'accord. Ah oh, bah ça va, t'es quand même en haut. Hein. Ouais, mais enfin, il sait pas. Enfin, regarde, il en reste deux vivants chez eux, on en a perdu deux. Il n'y a pas eu de match, quoi. C'est un peu dommage. Et on a eu d'autres parties là ce matin qui étaient bien plus intéressantes. Bien plus intéressantes, ouais, je suis d'accord. Donc, tu m'étonnes, Alex. Donc voilà, allez, je vais récupérer mes petites ressources. Tac. Voilà. Hop. Et... Voilà. Donc, eh ben écoutez, moi je vais, ouais, vu l'heure qu'il est, ouais. C'est vrai que ça arrive assez souvent maintenant. Ouais. Je suis assez d'accord en poisonneur. J'ai l'impression que ça arrive un peu plus souvent. Je suis d'accord. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, Galeran, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de m'avoir regardé, d'essayer d'avoir découvert un petit peu les quelques nouveautés de cette 0.9. Moi, j'essaierai évidemment rapidement d'au moins débloquer 80 jetons pour tenter de récupérer un petit navire anglais. Voilà. Madcast. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée. Merci à tous d'avoir joué avec moi ou contre moi. Et puis, en tous les cas, moi, quoi qu'il arrive, je vous dis à la semaine prochaine. Et amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao, bye bye. Salut.